Ça va, je refais ça. Non, parce que c'est faux ce que je viens de dire. Donc, parce que sinon, en fait, quelqu'un qui le sait va dire. Je suis Katie Irubeta-Goyena. Je suis directrice de la recherche au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Et par ailleurs, je suis artiste-chercheuse. Mon sujet de recherche principal, c'est la question du jeu de l'interprète dramatique. Et mon sujet actuel, vraiment depuis 2-3 ans, c'est un cycle de travaux sur le verbe manger. Et donc on travaille aussi sur les acteurs et l'alimentation. En termes de travail de l'acteur, on explore l'impact de l'aliment dans le travail, la pratique du jeu. Donc, par exemple, de façon très concrète, on a mené tout un laboratoire sur l'aliment comme aidant à la construction de masques tragiques et donc au dire tragique. Donc voilà, et ensuite ça va être sur tout ce que l'aliment en quoi l'aliment accessoire aide ou non à l'interprétation dramatique, etc. Et ensuite, moi, en création, j'ai essayé d'aborder ce verbe de façon un peu par des biais détournés. Donc j'ai travaillé sur la dévoration amoureuse. Et ensuite, là, je viens de finir une création sur le rapport que notre société entretient à la défécation. Donc avec Olivia Rosenthal, qui est une romancière avec qui on a travaillé pendant 3 ans sur ce sujet, qui est génial. Et ensuite, je travaille aussi parallèlement, ma prochaine création, on va travailler autour du banquet. Un documentaire très court, un court métrage qui s'appelle 10 Meter Tower. Ils ont filmé en fait des gens, des volontaires qui sautent du plongeon à 10 mètres. Et ils ont filmé, voilà, qu'est-ce que les gens se disent quand ils vont sauter d'un plongeon de 10 mètres. Et ça, c'est incroyable, ce documentaire.